pas d'affaires ici. Est-ce qu'Edith le su, elle, comment il vivait? Est-ce qu'elle est allée visiter son entreprise à lui quand il était pas là? J'avais pas vu ça de même. Puis je pense qu'Antonin non plus. Il était pris de court par la demande de ton grand-père. Il pouvait quand même pas y dire non. Mais certain qu'il pouvait dire non. Surtout que c'était à Pierre ou Bertrand de faire visiter la fromagerie à leur père. Puis s'ils l'ont pas fait, c'est parce qu'ils... Je voulais pas mal faire. Je voulais juste voir le travail d'Edith. Je savais qu'elle avait réussi, mais j'étais curieux de voir. Pourquoi? Pourquoi là, en plus? Parce qu'elle est décédée, ça donne l'impression de pouvoir faire tout ce que vous voulez chez elle. Non, non, pas du tout. J'aurais voulu que ça se passe autrement. Être là pour l'aider dans son grand projet, je savais à quel point ça lui tenait à cœur. C'est certain qu'en l'abandonnant avec ses quatre enfants puis en vous faisant passer pour mort, vous l'avez pas beaucoup aidé. Je le sais. Mais même si je passe les dernières années qui me restent à vivre à m'en vouloir, ça changera rien. Je peux pas revenir en arrière. Désolé, Antoine. Je voulais pas t'entraîner dans une situation embarrassante. Mais non, c'est correct. Marie-Ève, est-ce que je peux te dire deux mots, seul à seul? J'en ai tellement voulu à ma mère, là. Je sais que mon rapport avec elle était pas le même, mais... Moi aussi, je croyais que les ossements qui ont été retrouvés étaient ceux de Laurent. Que ta mère avait désigné le mauvais endroit de la fosse pour gagner du temps. Avec vous autres. Sa famille, son entreprise. C'est tout ce qui comptait pour elle. C'est la première fois depuis que je pratique que je saisis pas la vraie affaire. C'est pour me remettre de la mort d'Edith que je suis partie en vacances. C'est pas dans mes habitudes de me laisser atteindre comme ça, je suis désolée. Ta mère était une grande femme. Un modèle pour moi à bien des égards. Je m'en veux tellement d'avoir manqué de foi en elle. Ça peut te consoler un peu, j'ai manqué de foi en elle toute ma vie. C'était ma mère.